Peu d'EDM, ça change. Pas si mal. Petit rythmique de je ne sais quoi. Bonjour à tous.
pas tarder à y aller. Ouais, tout de suite d'ailleurs. Ça modifie. J'ai switch sur Rite of Fire. Parce que j'ai jamais joué ça, j'ai toujours voulu y jouer. Donc et vu que. Ah oui, il n'y a pas le son du jeu. Et vu que Poison Expedition, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire qu'avec Blackberry, on clear. On clear les mobs. Là, c'est Rite House qui clear. Du coup, j'ai terminé le PEX ce matin. Du coup, je peux faire les maps direct. Je vais peut-être faire. Je vais peut-être faire ça là. Écoutez, ça super bon. On s'en fout un peu. Mon POB de façon. Ah oui, il faut que j'aille chercher ça. Ou cette branche là. L'armure, j'ai pas pris, je crois. Pas encore. C'est ça. J'ai toute l'armure à prendre. Ensuite, remonter ici, paf, pour la life. Ensuite, ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris. Ok, il y a ça à faire. Le build il change pas trop. Il n'y a pas grand chose qui change. Bon, tant mieux. Donc ça veut dire que je peux farmer. On va commencer déjà les résistances. Il manque un peu de cold et de light. Là-dessus, je vais pas pouvoir en mettre. Là-dessus non plus. Ici, je pourrais en mettre. Ah, le casque, je peux. Alors, cold et light. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, on va commencer petit, hein, tranquillement. On va commencer sur une map comme ça là. Blanche, sans enchantement, sans rien. Pour tester un petit peu, pour jauger si je prends cher ou pas. Pour l'instant, ça va. Trop de DPS, mais bon, c'est ok. Les mobs meurent, c'est le principal. Ok,
searching for words just to tell you. Your eyes are nice, you gotta let me go. I can't resist that you disrupt my flow. I feel the heat, it's hotter than the sun. I think you bring me, we just having fun. I feel la 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 la. I feel la 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 la. I'm falling in love with you. La 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 la. Bon, ça se passe bien. Forcément, il n'y a pas de pas encore de mobs un peu chiant. On va voir sur les boss ce que ça donne. Tout ça c'est pris, c'est bon. Un pour cent maximum. Ah oui, ça fait bon, je le prenne. Pour l'instant, je joue avec ça, là, Infernal Cry. Je prends pas trop cher, donc je préfère privilégier le DPS. Mais plus tard, ouais, faudra que je switch sur Enduring Cry, par exemple. Ah, sur le boss, c'est long. Résiste élémental damage en même temps, forcément, forcément. Bah, du coup, j'utilise Spell Totem Sorting Ray pour leur appliquer moins 25% de Resist Fire au mob. Sur ce boss là, ça prend cher ou pas. Lui il résiste mental damage encore, ok.
Mais bon, ça va, ça meurt quand même. Ça s'est bien passé quand même. Je continue un petit peu là-dessus. Jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? J'ai pas baissé la musique, au fait. Voilà. Y a rien d'intéressant. Ah, c'est peut-être du fire. Reroule du fire. Ouais, allez. Voir ce que ça donne. Si je sais sur quoi faut que je re-roll, c'est sur le Jewel, le caster plutôt. Prismatique, non. Windspread. Non, c'est pas Windspread qu'il faut. Flasque enchantement. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est un item 6 sockets. Putain, ça me le faut. Une crèze maximum charge, une crèze effect, ouais, c'est naze. Speed modifier, ça je le garde. Alors, défense, ah, tiens, life. Ça veut pas, hein. Ça ne veut pas proc.
Faut que j'augmente mes burning damage. Mes fire damage. Spell. Tout ça là, ça peut me... Ça peut me faire gagner en DPS. Sur le Righteous. Righteous. C'est vraiment pas mal ça, Infernal Cry. Un petit peu long sur les boss pour l'instant. Je l'ai vendu, je peux que je vais mettre en stock. En fait, c'est surtout long sur les résists, quoi. Mais sinon, ça va, pour un build qui commence les maths, c'est ok. C'est encore une cinquantaine de mobs.
Ok, c'est clair. Enfin, quasiment, il reste un monstre. Bon, bah, si ça, ça passe, ok. Bah, c'est un petit peu. Tower. Si, Tower, c'est bien ça à faire. Avec ce build. Mettre une petite talch dessus. Ok. Voilà. Ça. Petit syndicat. Pas mal ça, un petit miroir, un petit délirium. Juste clair le premier étage avant de faire le délirium parce que le premier étage j'ai toujours remarqué que c'est chiant à faire. Courir à droite à gauche. Oh, il y a même une cassière, incroyable. Ça c'est cool. Bon, on va faire cassière en tout premier. Ouais, c'est pas ouf ça comme setup. Ça arrive par là. Fuck. Ok, malgré le setup à plus pourri, c'est passé, c'est cool. Un petit peu de currency, un petit peu d'oil, du chaos recipe, une gemme, ouais, bon. Ok, ok, bah on va pouvoir lancer, non, faire June. Je fais June et après je lance le Delirium. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est quoi ce bouclier là? Moins 10 à moins de suppresse. Ok. Ok, d'accord. Ça c'est naze. Ça c'est pareil. Alors, un petit anneau de life. Ouf, qu'est-ce qu'il est nul. Ça, ça va dégager aussi. Peu importe ce que c'est. Une base. Ah, tiens. Les beaux, rien. Enfin, les carquois plutôt, rien à foutre. Ça dégage. Et ça.
Il y a beaucoup de lighting. Ok. Putain, j'avais pas découvert, c'est quoi ça? Non, non, non. Ah, c'est pour Crit Cold. Ok. Ok. C'est pseudo. Salut Boldurie, ça roule. Allez, petit délirium, on va voir comment ça passe. Ouais, ça va, je découvre tranquillement là le Right House. Right House Fire. Ah, ça tanque de ouf par contre en délirium. Oh la vache, ouais. Je vais pouvoir faire les petits là, mais les gros, encore un peu juste en DPS. Ouais, et les rats, je vais les abandonner. Début dans le jeu. C'est pas forcément simple au début. Déjà, je pense qu'il faut que tu suives un build, un POB. Ça va être plus simple. Je sais pas si on te l'a déjà dit ça. Mais suivre un build qui a déjà été fait, c'est vraiment... ça sauve la vie. Hein. En début de... tout début de game. La vache, qu'est-ce qu'il tente le syndicat? Mais c'est quoi ce bazar hein? Bah, du coup, tu joues quoi comme build? Sur cette saison. Ah oui, Nécro, c'est bien ça. Ah, je peux faire un Cypher. Merde, faudrait que je switch sur... disons que pour un débutant, ouais, c'est très bien pour commencer. Et même en début de ligue, hein, c'est parfait. Oh, t'as bien fait de prendre ça. Du coup, tu suis le build de quelqu'un? Le POB de quelqu'un? Bon, le syndic, là, je commence à avoir tous les enchantements, on dirait. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Life, évasion cold. Ouais, y a rien de. Ouais, ça dégage. Le mana Osef. Pas coréen. Ah bon. Le build de Drinja. Ah, Drinja, il s'y connaît bien. Hein. C'est. Moi, je connais pas trop. Donc, si t'as. Alors, déjà, je connais que dalle en écro. Enfin, tout ce qui est mignon, je connais absolument rien. Après, faut bien qu'il fasse gaffe que ce soit bien un build pour Sentinelle, enfin pour la version actuelle quoi. Parce que Tanja il a beaucoup de vidéos, il se peut qu'il y ait des vidéos qui soient un petit peu dépassées en termes de, d'extension. C'est possible, ça peut arriver.
comme il fait beaucoup de vidéos. Mais par contre, ouais, les builds de Ninja, ils sont très bien. Ils sont très très bien. Alors, Right House, ça commence à se jouer à partir du moment où tu chopes beaucoup de régène, et notamment ça. Celui d'il y a une semaine, oh bah c'est parfait ça. Mais moi je te conseille de rester sur enfin, sauf si tu n'aimes pas le gameplay. Le gameplay Necro, il est plutôt simple, je dirais, de prise en main. Déjà pour apprendre le jeu. Parce que PO il est vachement complet, hein. Il y a beaucoup beaucoup de choses à comprendre sur le jeu. Et putain, cette explosion là, du bonheur. C'est pas comme, comme Diablo par exemple. Diablo, tu prends le jeu, tu joues n'importe quoi, hop, c'est parti quoi. Ah, c'est mou! Ah oui, oui, c'est mou, effectivement. C'est mou, mais par contre, bah, tu meurs jamais normalement. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour un débutant de prendre. Et pour un débutant et pour un début de ligue, de jouer Necro. Moi j'ai commencé en Poisonous Conclusion en starter, c'est très intéressant, je connaissais pas du tout le build. C'est sympa, c'était sympa. Là je voulais jouer absolument Right House parce que ça fait déjà plusieurs saisons que je veux tester ce gameplay. Et j'aime bien le fait d'avoir une aura autour de soi qui défonce les mobs. Ouais. T'as juste à avancer, tu mets de la tankiness. Et voilà quoi, t'avances dans les packs tranquille. Normalement tu meurs pas. Normalement. Mais c'est ça que j'aime bien, le principe d'avancer tout seul et puis ça DPS les mobs. Ouais, du coup tu suis le Pass of Building. Normalement il a mis un lien vers POB, il met toujours un petit lien vers POB dans ses vidéos. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant de suivre les POB. Comme ça tu sais où mettre tes points, tu sais quoi prendre en stuff, ce genre de trucs. Hein. Est-ce que je peux face tank? On dirait bien. J'ai pas trop de dégâts sur lui, mais ça va, ça passe. Pas sur les boss. Hop, ça va switcher sur l'autre. Et ouais, effectivement, t'as des builds un peu plus nerveux, je dirais. Mais qui sont en général beaucoup moins tanky. Et alors forcément avec plus de DPS. Mais par contre, la moindre erreur, tu peux te faire one shot. C'est ça l'avantage de Necro, c'est que t'es quand même beaucoup... tu peux encaisser beaucoup de dégâts, quoi. Voilà, mon build il se base comme je disais sur les dégâts de feu et notamment sur le burn damage. Il y a une aura tout autour de moi qui me brûle, qui brûle mes PV, qui brûle mon energy shield. Et les mobs quand ils s'approchent prennent des dégâts. Des dégâts de burn, de burning. Ça là, ça
du tech burning damage, mais par contre en revanche deal burning damage autour de moi. C'est marrant comme build. Le leveling est un peu bizarre. Moi j'ai start. Alors attends, j'ai start avec quoi? J'ai start avec quoi? Ah oui, c'est ça, Holy Flame et Flame Roll. J'ai start totem avec des multiples totems. Ça, je pouvais en mettre deux, trois même. Ensuite, j'ai switché dès que je pouvais sur le Withering Brand. Non, Wintertide Brand. Donc c'est un genre de petit comment je pourrais dire c'est un genre de debuff que tu mets sur un mob et qui fait de l'AOE autour. C'est très intéressant pour le leveling et je l'ai gardé jusqu'au level je suis moins 60 je crois, non même non moins que ça, 50 ou 5, ouais 50-60. Et à partir du level, bah voilà, comme il dit, là, 55, entre 55 et 60, j'ai switché en Right House Fire. Et donc en full dégâts de feu, quoi. Je sais pas si... Je sais pas si on le voit. Ouais. Et voilà. Et si tu veux le lien du POB, bah tu tapes et point d'exclamation point POB. Ça, si tu veux suivre ce build là, bah écoute, tu auras toutes les infos. Est-ce qu'il est facile à jouer? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire parce que pour l'instant, pour le leveling, c'est ok. Pour le mapping, après, je sais pas. Là, je commence tout juste. Là, c'est la deuxième ou troisième map que je lance. Donc, ça se trouve, ça va pas me plaire. Et je vais re-switcher sur mon Poisonous Concoction. Donc, voilà. C'est du test. Mais, ouais. Comme je te disais, ouais, j'aime bien le principe. Ouais, faire des dégâts autour de moi tout en bougeant. Hein. Bien. Si tu sais pas ce que. Tu sais ce que c'est POB? C'est pas Soft Building. Ah, c'est ce que je te montrais là. C'est cette petite application là. Ça te permet de. Voilà. De planifier ton build. Planifier tes skills. Ainsi que tes items. Et ensuite, bah, tout ça, ça te calcule voilà, ton DPS. Ton total de vie, ta mana, tes résistances, tout ça. Quoi. Et pour importer un POB, tu fais import, après import from sib, et puis tu colles le lien du POB. Quoi. Est-ce que je fais le syndic Ouais, j'ai peut-être switché sur le Poisonous Concoction. Voyons voir. Multiple totem, il me faut ça. Il me faut. Human Détermination. Et là. Vitality, non, c'est bon. Ça reste. Il me faut Aria. Et c'est tout. Ah bah si, les potions. Alors, toc toc toc, je vais mettre ça ici. Alors, Poisonous. Alors, ça ici, F ici, non, F ici, ça ici, ça là,
Ensuite, ma ceinture. Tac. Ça ici, Withering Step, je vais vivre par ici. Flame Dash, je sais où j'ai mis, peu importe. Alors, Area of Effect de Plague Barrier. Multiple Totem pour Viseur et Détermination. Nickel. Tac, tac, on lance ça. Ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pas mis Spell Totem. Foutu. Il me suit un loupé. Totem, totem, totem. Bon. Je vais en acheter un. Spell Totem, Spell. Tac. C'est un petit peu long. Ok. Oui, c'est vrai, j'ai ça à faire, le Polaric. Il y a un truc où je me suis planté là. Pourquoi mon plug? Ah ouais, il est level 17, ouais, c'est pour ça. Hop, la plaque barrière, c'est un petit peu le même principe que Raiteus. J'ai une aura autour de moi, sauf que là c'est du poison. Et ça dure pas en permanence. C'est ça le problème. Mais par contre c'est beaucoup plus... Ça DPS beaucoup plus. On se met un petit portail ici. Ah, faut que je fasse mon lab là. Oula. Ma surprise. Ah,
trouves rien? Comment ça que tu trouves rien? Bon, c'est un petit peu long avec ce build, mais bon, c'est aussi mon starter. Hein. Ah ouais, bah ça... Ouais. Perso, je m'y suis pas intéressé. C'est pas forcément... Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des dingueries avec, mais... Bon. J'ai mis un petit peu au pif, aussi. Ça empêche pas de jouer, t'inquiète pas. Putain, j'ai foncé dedans comme un débile. J'ai fait prendre des dégâts. Bon, pas deux fois la même erreur, parce que si je m'en vais... J'ai dash dedans comme un débile.
Ok, il est où l'autre? Cordage dedans comme début. Ok. Dernière phase. C'est un petit peu long. Mais ça descend petit à petit. Ah bon, elle meurt. Voilà, ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Des currency. Scarab, ouais, pourquoi pas. Encore les scarabs. Ah, alors qu'est-ce qu'on a ici? 200 millions d'XP pour une gemme. Ah. Alors, c'est ça que je veux. Ça. Tac. Elle a pris deux levels dans la tronche, la gemme. Ça a fait un petit peu plus de DPS. Ok. Les cures ici. C'est toujours ça de prix. Hein. Incubateur. Intéressant. Full, ouais. Non, je vais pas back, je vais mettre ça direct dans le coffre. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Onslaught. Ok. Je vais mettre ça dans un. Ah, j'ai tout ça à une veille, c'est vrai. MDR. Tout le reste c'est bon. Ah, j'ai une ancien orbe, ça c'est cool. Je vais la claquer tout de suite sur ça. Oh. Je regarde mon streamception. Ah bah c'est toi. Bah je te remercie pour le follow.
sinon pas. ça je mets ça de côté. Alors les incubateurs, est-ce que je les claque de suite ou pas? Après c'est du talisman. Non bah je vais mettre ça sur le right house. Mettre ça ici. Ok. Et bah bonne pause. Ah, rien d'intéressant là-dedans. Ah, ça c'est une veille, ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Pas c'est une normal item. Est-ce que je peux mettre ça? Non. J'ai pas de normal item. Mais... Oh, bah filmmaking, hein. Cool. Est-ce que j'avais fini de looter dans les salles ici? Celle-là, ouais. Ici, ouais. Ici, non. Tac, tac. Allez, go back. Alors, Unveil, c'est ici. Non, on va mettre ça. Ça. C'est tout. Ça, je vends. Alors, on va retourner sur... Le right house. Donc tout ça j'en ai pas besoin. Multiple totem, il peut rester là. Ça ici. Alors ça c'est quel level 17? Ah, je peux l'utiliser. Spell totem, c'est bon. Bon ça c'est level 15, je peux le dégager en fait. Ici j'ai plus rien, ici mes flasques. Ça peut aller là-dedans. 4 links c'est bon. Unveil, alors. Soit j'ai pas besoin de stuff là-dedans. Ouais, soit j'ai tout analysé et puis là ça. J'ai besoin de rien en fait. Ça. Les ceintures. Et j'ai voilà. Ouais, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Manakost Skill Rarity. Rarity ou Manakost? Bah, Rarity, hein. Attends, ça c'est pour. Consume an inactive corpse. Allez, comme ça. Alors, crit dex fire, c'est naze.
Ça c'est quoi? Attribut des mecs. Ah. Oh, c'est pas si mal. En tout cas. 40% de tenue. Oh. Bon, de toute façon, c'est nul. Deux levels secret gem attaque speed. Ok. Physique. Là-dessus, on a du physique du fire. Ouais. Pas ouf. Ça c'est naze. Ça c'est naze aussi, ça dégage direct. La masse. 10% increase force. Attack speed. Du bleeding là-dessus. Ah. 45% de chance de causer bleed. De mettre du bleed. Ouais, les deux sont pas... Non. Ça c'est naze. Why you gotta hate me? Everything I do, it drives you crazy.
everybody really hates me. I just wanna leave a fucking deep scar. Put up to the sun and I'm a rock star. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, you're hating me. And I know everybody fucking hates me. I know everybody fucking hates me. Why you gotta hate me? Everybody fucking hates me. Why you gotta, why you gotta? It's way too late. Cause everything I've seen before won't help anymore. Won't give me any satisfaction. To the moon and back, that's where I've been. I need something new, so I want you to take me. Take me to another place where I've never been before. Using all this space, yeah, all I wanna say is I want you to take me to another place, to another place, to another. I want you to take me to another place, to another place, to another. I want you to take me. Now we spend our time doing 69. Then you need relief again. Cause I got in your head. And I'm like a drug. You won't get enough. You know it's just the way I feel. Cause everything I've seen before won't help anymore. Won't give me any satisfaction. To the moon and back, that's where I've been. I need something new, so I want you to take me. Take me to another place where I've never been before. Are you using all this space? Yeah, all I wanna say is I want you to take me to another place, to another place, to another place.
I'm not afraid to die.
just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. A night breaks your heart, moved to the city and a broke down car. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder. Full of shit right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
me before I even knew her name. It felt like ooh la la la, yeah. Oh, sapphire moonlight. We danced for hours in the sand, tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. 'Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. Oh, honey, your lips undress me, hooked on your tongue. Oh, love, your kisses get me, don't stop. I love it when you call me, spend your time. I wish I could pretend I didn't need you. But every touch is true, la la la. It's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love you when you call me, spend your time.
Ah ouais, je suis mute depuis tout à l'heure, incroyable. C'est cool. Super. Super. L'émission, on va les garder. Comme je disais, que vous n'avez pas entendu forcément. MDR. Ouais, tiens, on va tenter ça. Je vais pas trop m'attarder sur les mobs rares. Surtout faire les blancs évidemment, les bleus, ouais. Ça je l'ai déjà. C'était quoi cette lame là? Le PB please. Voilà. Donc, tout ça j'ai pris. Ah oui, j'ai ça à prendre. Fire damage, c'est quoi déjà? Master of Fire. Ah, okay. Et là-haut, c'est bon, c'est pris. Il a pris ça? Skill de deal de blablabla. Bref. Non, c'est pas terrible. Il y a un truc que j'ai pas pris là-dedans. Utiliser, moi. Je peux pas encore l'utiliser, donc je vais prendre ça.
not the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Je vais pas clair les régions, les légions, c'est pas ouf. Hein. Pour l'instant. C'est chiant, le résister l'aime là. C'est quoi ça? C'était le net. Create energy shield life and effect proposant une open life. Ça se passe à peu près bien. Pour le si peu de stuff que j'ai en tout cas. Oui. Don't be running away now. Can't be feeling afraid of it.
Ok. Voyons. Putain, il m'envoie toujours le prismatique du coup. Voyons voir. Cluster setup, non. Burnout. Là, je suis bon, j'ai tout. Ouais, il a mis un point de Dex, ouais, évidemment. Vous allez chercher ça, là, les points de vie, donc 1, 2, 3, 4. Ouais. Allez, je vais faire mes 4 levels, là, tranquillou. Je sais plus ce que c'est, une Festive Valley. Carcasse, pareil, je sais plus ce que c'est. Je regarde le setup des gemmes, normalement. Fire Trap Zephyr. Fermer H, forcément. Forcément. C'est terrible, hein, les résistants. Comme d'ailleurs. Oh,
Ah, du coup, c'est qui le boss Ah, oui, c'est elle. Enfin, elle. Ça, plutôt. Ça va quand même mieux au DPS là, sur des maps qui sont un peu plus de mon level, forcément, enfin du level de mon stuff du moins. You know it's harder to find in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. These days I'm way too lonely. I'm missing. Est-ce que j'ai un toxic sewer avec qui traîne? Il y a d'intéressant. J'ai encore un tower, on va aller. Donjon. Non. Tenter tropical. I caught it bad yesterday. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to play with me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Ouais, encore un petit délirium. Mission d'Alva, ça va attendre un peu. Bon, lui, il tente trop. Je m'en veux.
Ouais, je vais finir la map. Et puis, comme le dit Wizbat, c'est la pause après. Ça va même mettre la fin du stream après la map. Ah, full of gem. On va chercher les points de vie. C'est du crit. On va prendre l'autre. Je pense à mettre des portails de temps en temps. Ça se saoule de reprendre dès le début de la map là. Quand ça explose comme ça. Yeah.
can't believe this is really true now. I'm giving up cause I'm done with you now. Whoa, it was so fake from the first day. You never loved me, you never said you loved me. Physical converted to fire, ouais. Pourquoi pas? C'est intéressant. Je range ce qu'il y a dans mon inventaire et fin du stream. Et ouais, bah voilà quoi. Ça augmente petit à petit le stuff. Donc ouais, j'ai ça. Alors là, j'ai ces points-là à aller chercher tout de suite maintenant. Enfin, la priorité, je veux dire. De life. Et ensuite, c'est ici. Alors, tout ça après. Et ça, c'est quoi ça? Un peu de chaos phasiste. Ouais, pourquoi pas. Ah, il y a ça aussi. Ouais, donc il y a un petit peu de level à prendre. Hein. Je suis quel level là? 72? Ah oui, c'est normal. Allez, ben je vous dis à la prochaine, moi je sais pas quand. Peut-être mercredi soir. Peut-être, c'est pas sûr. Ouais, peut-être mercredi soir ou jeudi matin, à voir. Voilà, bonne soirée, salut. Et pour le POV, hop. Salut. We might not know why, we might not know how, but baby tonight we're beautiful now, we'll light up the sky.